quand on vit dans un pays, on a, disons, une certaine facilité à voir la propagande chez les autres, mais pas dans le pays, où on vit. Mais c'est assez normal, hein. C'est que chacun est imprégné de l'atmosphère du pays où il est. On respire l'aide. Par exemple, on respire cette ambiance. Par exemple, en Belgique, il a fallu combien de décennies pour qu'on ose remettre en cause le bien fondé de la colonisation, ce qu'on appelle, et je mets des très gros guillemets, l'œuvre civilisatrice de la Belgique au Congo. Il a fallu bien plus que 40 ans, 50 ans, pour qu'on se rende compte que finalement, cette œuvre bénéfique et civilisatrice avait tout de même un autre volet qui était la priorité à l'économie, à la domination, que c'était que le Congo colonial était une dictature où les journalistes n'étaient d'ailleurs pas admis. Les journalistes belges devaient montrer patte blanche pour y aller. Donc ça, nous, on était en Belgique, mais il a fallu des décennies et aussi de travail, d'information, de militantisme, de protestation de tous côtés pour que finalement les choses bougent et qu'on change. Même qu'on commence à enseigner l'histoire, la vraie histoire coloniale dans les programmes scolaires et qu'il y ait une remise en cause. Donc, c'est un peu le cas de tous les pays. Alors, évidemment, des grands pays colonisateurs comme la France, la Grande-Bretagne, c'est encore plus difficile pour eux parce que ça touche à l'essence même de leur nation. Les Français croient encore qu'ils ont apporté, entre guillemets, les lumières avec une lettre majuscule, qu'ils ont apporté les lumières au reste du monde. Bon, et c'est difficile de leur faire comprendre que ce n'est pas tout à fait ça. Voilà en tout cas un encouragement effectivement à dépasser le conformisme et la propagande et à remettre en question ces tabous, ces clichés.